Le féminisme, je crois que c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. En une phrase, je dirais que c'est promouvoir l'engagement, promouvoir la place de la femme dans la société. C'est une bonne question, mais je dirais que le féminisme, c'est des femmes qui veulent avoir les mêmes droits que les hommes. Le féminisme, je pense que c'est un moyen des femmes pour être égales aux hommes, en tout cas d'être plus reconnues que ce qu'on est en ce moment. Je pense que ça serait ça. Ce serait pour avoir plus d'équité entre les hommes et les femmes, dans le fond. Autant une femme peut être féministe qu'un homme, c'est seulement le fait d'être égalitaire. Je me considère féministe parce que je trouve que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une bonne chose. Je me considère comme féministe parce que, bon, j'encourage les femmes à aller dans les métiers qu'ils veulent, à vraiment s'affirmer dans la société. Je considère qu'encore aujourd'hui, il y a des... que c'est pas tout, on n'a pas tous les mêmes droits, mais que ça devrait être comme ça. Je me considère féministe parce qu'on en parle souvent aussi dans le milieu où ce qu'on va travailler plus tard, des conséquences que ça a, du fait que les femmes soient moins reconnues ou moins payées ou moins respectées pour le fait d'être une femme. Pas vraiment, je sais pas, je m'en soucie pas vraiment. Je suis un gars puis j'ai pas vraiment, je note pas, mettons au cégep ou à quelque part d'autre, je note pas vraiment de différence. Officiellement, je me suis jamais déclarée féministe, mais... je suis pour l'égalité de la femme et de l'homme, donc en définition, je crois que oui.